Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une info news sur Call of Duty Black Ops 3, donc sur le zombie, le DLC Zombie Chronicles. Alors c'est tous les 10 nouveaux bubblegum, je vous les présenter en jouant comme ça. Comme ça vous savez exactement ce que chaque bubblegum peut vous faire, tout simplement. Donc voilà, je spawn dans la map et vous avez pu voir qu'il y a eu un message qui s'est affiché. Donc quand vous appuyez sur Start, vous pouvez voir qu'il y a le x2 de liquide divinium, donc n'hésitez pas à farmer. Et à droite, il y a la petite tête de lion de justement de la bonbonnerie, enfin de la bonbonnerie quoi, tout simplement. Alors regardez, le coût est de 0, donc pendant 8 jours je pense. Je pense que c'est pendant 8 jours jusqu'au 25. Je vais comment dire, il y aura ce truc là gratuitement pendant 8 jours. En fait, comment ça se passe, c'est le premier bubble gum de chaque manche. Normalement il coûte 500, après le deuxième c'est 1500 et puis le troisième c'est 3000. À la manche 5 ça augmente, à la manche 10 ça augmente, les prix augmentent. Et là le premier bubble gum restera à 0. Donc il faut savoir que le premier bubble gum n'augmente pas, hein. Il restera toujours à 500. Cette offre sera terminée, il restera toujours à 500. Mais par exemple le deuxième Gobble Gum là qui coûte 1500, et ben par exemple à la manche 5 il coûte 3000, ou la manche 10 il coûte 3000, je sais plus trop, mais voilà. Alors le premier Bubble Gum que j'ai eu, c'est poudre aux yeux. Donc tout simplement quand vous allez mettre poudre aux yeux, c'est des sortes de lunettes quoi. C'est comme si votre joueur mettait des lunettes et vous allez voir, ça vous donne 5 couleurs différentes de zombies. Donc voilà, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le rouge, enfin voilà, il y a plusieurs couleurs de zombies. Donc voilà, c'est un petit gobble gum totalement gratuit, hein. C'est pas un gobble gum qu'il faut avoir dans les packs opening, c'est totalement gratuit et voilà, vous pouvez le faire pour le fun. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Donc regardez, je vais changer la couleur, hop là ils sont bleus, là ça va pas changer, je crois, comment ça se fait. Là ils sont orange et là, et ben là c'est fini. Donc voilà, alors je vais passer au deuxième, hein. Il faut juste que je fasse un peu de points ou passer la manche tout simplement. Savoir aussi, bon je vous explique, hein, parce que je sais pas si vous êtes au courant, quand vous faites ça, vous avez vu, je me suis allongé devant un atout et j'ai gagné 100 points. Donc voilà, ça c'est juste une information supplémentaire, hein. Donc regardez, la manche vient de passer, vous allez voir, ça va retomber à 0, voilà, Gobble Gum coûte 0. Donc c'est chaque début de manche, le Gobble Gum coûte 0$. Donc là, bip de mort. Donc poudre aux yeux, j'avais eu avant, maintenant j'ai eu bip de mort. Alors, ça, c'est tout simple. Là maintenant, à partir de maintenant, ça dure combien de temps? Je crois que ça dure quelques manches, je sais plus combien de temps. Combien de manches, j'ai pas fait gaffe. Donc ça dure peut-être 3 manches ou une manche, je sais plus. Et en fait, regardez, je vais mettre le son au max et vous allez entendre. Hein. Deux secondes. Donc voilà, vous avez sûrement dû entendre les bruits. Au montage, je vais mettre au maximum, comme ça, c'est sûr que vous allez les entendre. Et vous allez pouvoir tuer 25 zombies. Je viens d'aller voir c'était combien d'activations. Ben, c'est 25 fois. Vous allez tuer 25 zombies, ça fera un bruit comme ça. Et le premier bubblegum que je vais vous montrer, poudre aux yeux, c'est 4 utilisations. Donc vous pouvez utiliser 4 fois. Alors là, je vais faire un bubblegum pour voir si je tombe sur un nouveau. Voilà, je tombe sur un nouveau. Ça s'appelle condamnation par procuration. Ça dure 5 minutes. Et en fait, regardez, je vais réparer cette fenêtre. Vous allez voir. Et tous les zombies qui seront proches de moi vont mourir. Donc, là, il y en a un, vous allez voir. Voilà, ça fonctionne avec avec tous les zombies, quoi. Hein. Donc, pendant 5 minutes, vous pouvez réparer des portes sans panique, quoi. Vous n'allez jamais vous faire bloquer. Alors, le quatrième bubble gum, c'est goût de théâtre. Ça dure... C'est... Quoi? Ah oui, ok. Vous pouvez l'utiliser 2 fois, apparemment. 2 activations. Mais je comprends pas alors pourquoi il m'a donné directement shopping gratuit. Il est marqué 2 fois. Je sais pas pourquoi. Mais voilà quoi. Alors, ce bubblegum vous donne un bubblegum aléatoire. Donc, tous les bubblegums confondus. Hein. Donc, voilà. Et ça ne vous donnera pas ceux que j'ai équipés là. Donc, vous voyez le pack gobblegum 1.
j'en ai mis 5, et bien les 5 là, il ne me le donnera pas. Mais sur tous les autres bubblegum, il m'en donnera un. Donc c'est un bubblegum aléatoire, quoi, tout simplement. Et je pense que s'il est marqué 2 utilisations, je vais pas attendre la fin du compte à rebours là, mais je pense que à la fin du compte à rebours là de mon shopping gratuit, ah non, de mon truc là pour voir je sais pas quoi, enfin le truc que j'ai qui m'a donné, et ben voilà, au bout de que la jauge soit terminée, normalement j'aurai un deuxième gobblegum. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas vous le certifier, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Alors le cinquième bubblegum et le dernier bubblegum, c'est un gobblegum qui s'appelle Condamnation en série. Et vous pouvez l'utiliser pendant 5 manches. Voilà. C'est ça. Pendant 5 manches, vous allez pouvoir refermer les portes. Regardez, j'appuie une seule fois et toute la fenêtre, elle se répare directement. Et bien sûr, j'ai les points qui suivent. Hein. Ah non, même pas. Je n'ai même pas les points qui suivent. Oh, bon, ça c'est un peu dégueulasse, ça, quand même. Hein. Donc au final, ouais, c'est pour faire, on va dire, peut-être un first room, ouais, il y a moyen d'utiliser ça pour un first room, pour céder un peu et fermer des fenêtres un peu plus vite pendant 5 manches. Ça peut être une stratégie, donc voilà. Alors là, je vous ai présenté les 5 premiers bubblegum, donc je vais vous présenter les autres. Mais là, je vais vous donner une petite astuce supplémentaire qui est pour ne pas perdre vos liquides, vos bubblegum, en fait, tout simplement. Parce que là, j'ai utilisé les 2 premiers, ils sont gratuits, donc ça va, mais les 3 autres, je les ai utilisés. Oh, défi de la journée, j'ai gagné un liquide, nickel. Je sais pas c'était quoi le défi, mais bon, tant mieux. Et j'ai perdu 3 bubblegum, donc un de chaque des 3 derniers. Donc comment faire pour ne pas les perdre et que tout soit fonctionnel? Donc là je viens de gagner un liquide divinium. Donc pour être sûr que j'ai le liquide divinium que j'ai gagné, et ben soit je ferme l'application, ou soit je fais star, triangle, rejoindre un ami, tout simplement. Je fais carré ou je fais rejoindre un ami. Et voilà, je ne quitte pas la game, parce que si vous quittez la game, vous allez perdre tous vos bubblegum. Mais si vous faites comme j'ai fait, et bien tout est comptabilisé, vos kills, vos points, vos manches, tout, absolument tout, sauf la perte de vos bubblegum. Donc voilà, j'espère que cette technique vous sera utile. Hein. Donc là, je vais vous montrer les 5 autres bubblegum. Alors voilà, le premier bubblegum que je vais vous... Enfin, le sixième bubblegum que je vais vous présenter, c'est bonification. Donc, bonification vous donne un bonus de 1250 points. Regardez, je suis à 500, enfin, 1250 points, plus 1250 points. Et vous pouvez les activer 4 fois. Donc ça fait que vous pouvez gagner 5000 points. Regardez, je monte à 5500 points. Donc voilà, ça c'est un gobblegum qui est vraiment pas mal pour faire des débuts de manche assez stylés. Alors ensuite, on va voir le deuxième. Le deuxième, c'est fontaine de soda. Donc celui-là est vraiment bien aussi. Regardez ce que ça fait. C'est que vous pouvez acheter 5 atouts parce que vous pouvez l'utiliser 5 fois. Donc à chaque fois que vous allez acheter un atout, regardez, j'achète un atout et ça m'en donne un gratuit. Donc vous pouvez carrément dépasser la limite de 4 atouts. Par exemple, moi j'avais 4 atouts, c'est la limite normalement à l'achat sur Call of Duty Black Ops 3. Et là, ben, je pouvais acheter un 5e atout grâce à ce bubblegum. Et quand j'ai acheté mon 5e, ça m'a donné un 6e. Donc je pense que je peux même m'acheter un 7e et ça me donnera un 8e. Ça peut vous donner tous les atouts de la map. Donc ça remplace un peu accro des atouts. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. Alors ensuite, ils vont me donner regard vide. Donc regard vide, c'est pour vous et tous les autres du groupe. Et là vous allez gagner, les rendre inertes, en fait, tout simplement. Et vous avez droit à 3 activations de 30 secondes. Donc ça dure 30 secondes. Regardez, j'active et les zombies vont tous rester figés sur place. Donc là ils rentrent à l'intérieur, quoi. Ils rentrent quand même tous dans la map apparemment, mais ils restent tous sur place. Et je peux me mettre devant, je peux faire ce que je veux, tout le monde sera invisible. C'est pour vous et votre équipe, c'est super bien pour faire des secrets. Donc voilà, petite information supplémentaire, quand vous activez un bubblegum comme ça qui prend du temps, regardez, je l'active, si maintenant je reprends un deuxième bubblegum derrière, ça va enlever le bubblegum que j'ai équipé, hein. Regardez, hop, ça va l'enlever directement et le zombie va commencer à courir. Alors là, gros gobblegum, parce que Man Céleste, il est dit dans la description du bubblegum, il est marqué que ça donne un bonus. Mais en fait non, regardez ce que ça donne. Vous pouvez l'activer 2 fois et regardez ce que ça donne. Donc ça donne une bombe, une liquidation, une illumination, 1x2, un atout aléatoire, une cartoucherie, une tête de mort, un charpenterie, une machine de la mort, un bonus de points. Donc moi ce que je vous conseille, hein, c'est de prendre 2x2. Et puis après prendre tous les points, hein, comme ça, la bombe et tout. Et vous pouvez activer ceci 2 fois.
Donc voilà, alors ça c'est vraiment cheaté pour faire passer des manches et tout, pour faire, enfin voilà, franchement c'est un putain de gobblegum qui est vraiment trop stylé. Mais par contre dans la seule traduction française il est marqué un seul bonus, mais en fait c'est faux, c'est vraiment, franchement c'est honteux de ne pas savoir faire une traduction sur ça, parce que moi quand j'ai vu le bubblegum, moi je crois que c'était de la merde, hein. Mais en fait rien à voir, c'est de la tuerie. Donc voilà, donc vous pouvez commencer par la bombe, hein, parce que la bombe, elle met du temps à vous donner les points, donc voilà, vous prenez la bombe, puis après vous prenez le x2. Donc voilà, donc là il ne manque plus qu'un bubblegum, c'est le bleu, nickel, il me le donne. Et je vous aurai présenté tous les bubblegums. Donc là c'est Dolus Bonus. Donc tout simplement, vous pouvez l'activer pendant, ça durera plutôt 4 manches, pendant 4 manches. Et là les zombies vous donneront plus de bonus. Donc à chaque fois que je vais tuer, je pense pas que c'est à chaque fois, mais les zombies vont lâcher beaucoup plus de bonus que d'habitude. Donc on va attendre que un ou deux zombies rentrent et on va tester ça. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était vraiment pour regarder. Bonus. Donc voilà, il a donné deux bonus sur une histoire de quand même 15-20 zombies. Donc c'est pas ouf, hein. Il donne pas. Voilà, il donne même un petit troisième. Donc sur 20 zombies, il a donné 3 bonus, donc c'est pas super ouf non plus. Mais bon voilà, ça peut aider pendant 5 manches. Par exemple, si vous êtes en haute manche et que vous cherchez des munitions, bah ce bubblegum pourrait peut-être vous servir. Ou par exemple en secret quand vous êtes dans une salle d'un boss ou quoi, ça peut aussi vous servir. Donc voilà, c'est des petits bubblegums qui peuvent vous faciliter la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à partager aussi un maximum pour me faire, pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et n'oubliez pas, si vous avez quelque chose à dire ou quoi, une remarque à faire, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace. Regardez, là j'ai failli mourir, qu'est-ce que je fais? Je fais star, triangle, et je rejoins un ami pour pas perdre un bubblegum. Très important. Allez, voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis à la prochaine, peace.